Bonjour à tous, c'est Melinda, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Corée Massue pour débutantes, vu que plusieurs personnes me l'ont demandé. Je vous avais demandé de m'envoyer vos vidéos dans la précédente vidéo qui est chorégraphie sans engin. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont envoyé et j'ai choisi la meilleure prestation qui est celle de Lina. Je vous la mets en fin de vidéo. On va commencer avec la première partie et je vous ferai la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Si vous ne savez pas bien manipuler les massues, vous pouvez aller voir ma vidéo manipulation de base aux massues. Elle est juste ici. Donc on va commencer par la pose de départ. Vous allez croiser les pieds, mettre un pied sur la pointe, une massue par terre et l'autre vers le haut. Puis cette massue va aller derrière et l'autre va faire un tour de tout en faisant des petits pas. Comme ça. Début, croisé, refaire en haut. Un, deux et trois. Puis vous allez faire l'équilibre planche et vous allez tourner la massue une fois. Position, croisé, refaire en haut. 2, équilibre, un tour. Maintenant, vous allez faire un peu, une demi-rotation avec la massue pour attraper la grosse partie. Vous allez mettre cette main sur la manche, le pied sur le côté et taper 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et vous allez refaire un demi. 1, 2, équilibre, hop, demi-rotation, 1, 2, 3, 4, demi-rotation. Après la demi-rotation, hop, vous mettez les deux grosses parties devant votre bouche et on va se relever. Maintenant, à faire en musique. Vous allez prendre les massues à la moitié. Quand vous allez plier les jambes, vous allez plier les bras. Quand vous allez tendre les jambes, vous allez tendre les bras. Un. Et vous devez tourner les pieds d'un côté et de l'autre. 1, 2, 3, 4. Puis après, vous allez aller vers l'avant en faisant ça. Et en marchant avec les pieds flex. Et vous allez faire ça du bas vers le haut. Puis après, vous allez prendre les massues comme ça. Donc quand je les ai au milieu, j'ai mis une au-dessus de l'autre et je glisse pour aller jusqu'au bout. Et en même temps, vous allez faire... Donc vous allez plier les jambes et tendre vers l'arrière. Comme ça avec les jambes. Et avec les bras, vous allez les plier et les tendre vers la main. Après, vous allez faire un pivot passé en gardant bien les bras vers le haut. Maintenant, on va faire depuis le tout début sans musique. Hop.
équilibre, tournez, petit, 1, 2, 3, 4, petit, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, et puis vous passez. Encore une dernière fois. 1, 2, équilibre, tournez, petit lancé, 1, 2, 3, 4, petit lancé, hop, 1, 2, 3, 4, prends de mieux, 1, 2, 3, 4, marchez, 1, 2, 3, 4, en arrière, et pivot passé. Maintenant, on va faire en musique. Donc après le pivot passé, quand on termine, vous allez lâcher les grosses parties et garder les petites. Mettre les grosses parties en dessous des aisselles. Hop, les mains comme ça. Et on va faire derrière, côté, devant, côté, derrière, côté. Je vous montre. Derrière, côté, devant, côté, derrière, côté. Après le pivot, je vous montre une deuxième fois. Vous allez lâcher les grosses parties et mettre les grosses en dessous des aisselles. Mettre les mains, comme si on faisait stop. Puis après, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté. Maintenant plus vite. Hop. On finit le pivot passé. Hop. Puis après, vous allez lâcher. Et on va faire un biche. Allô, ça. Et pendant le biche, on va frapper les mains. Puis après, on va écarter les jambes et faire comme si on avait un tour en dessous de nous. Hop. Et puis un bras haut, un bras vers le bas et mettre une jambe en point. Je vous montre une dernière fois. Hop, après, puis repasser, lâche. Hop, 1, 2, 3. Hop, hop, biche, tambour. Maintenant, on va faire depuis le tout début. Hop. 1, 2, équilibre, tournez, petit lancé. 1, 2, 3, petit lancé. Hop. 1, 2, 3, 4, prends la moitié. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, ils vont passer. On lâche. 1, 2, 3, 4, biche, tambour. Maintenant, on va faire tous en musique. 1, 2, équilibre, tournez.
je vous prépare la deuxième partie et entraînez-vous, de toute manière, on n'a que ça à faire. Je félicite encore Lina pour sa belle prestation. Je vous mets l'extrait tout de suite. Bisous! Thank you.